Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 22 septembre 2020, 8h39 heure du Québec. J'espère que vous allez bien. On est dans un univers en constante évolution. On en fait partie. Donc, on, on est dans ce mouvement-là aussi constamment. On a vu, on hein, fait l'histoire, comment on a bougé, évolué. Ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde, comme dirait ma mère. On va aller lire quelque chose de vraiment fascinant ensemble. Ça vient d'être publié. C'est par The Science Time. J'ai choisi d'être un cyborg. Pourquoi j'ai implanté des puces informatiques dans mes mains? J'ai des puces informatiques entre les mains, la, le, les minuscules en en verre, 2 sur 12 mm, sont nichées juste sous la peau, sur le dos de chacune de mes mains et ont été implantées par un perceur local il y a plusieurs années. La puce de ma main droite est un appareil de communication en champ proche que je scanne avec une application sur mon téléphone intelligent pour accéder et réécrire les informations que j'ai stockées dessus. Il peut contenir un minuscule 888 kilooctets de stockage de données et ne communique qu'avec des appareils distants de moins de 4 cm. Dans ma main gauche se trouve une puce conçue comme un dispositif de vérification numérique qui utilise une application propriétaire du développeur VivoKey. La procédure d'implantation n'est ni difficile ni extrêmement douloureuse. Je peux sentir la bosse des copeaux sous ma peau et j'invite souvent les autres à le sentir. La bosse ne dépasse pas du dos de ma main. Si je ne disais pas à quelqu'un qu'elle était là, il ne pourrait pas dire à vue que j'ai un implant. Mais ils ne sont pas indétectables. Une puce implantée peut être un emplacement de stockage sécurisé pour des informations de contact d'urgence, utilisée comme une carte de visite électronique ou comme clé électronique pour verrouiller votre porte. Je donne des euh, présentations publiques et des interviews sur mes recherches, et par conséquent, je ne stocke pas de données privées sur ma puce. Il y a des milliers de personnes dans le monde avec des implants à puce des gens que j'appelle des cyborgs volontaires. Les cyborgs volontaires sont des personnes impliquées dans la communauté et pratiquent l'implantation de technologies sur leur, sous leur peau à des fins d'amélioration ou d'augmentation et je me considère comme membre de cette sous-culture depuis plusieurs années. Mes recherches dans la communauté ne se sont concentrées sur la formation d'une sous-culture distincte et ses représentations dans les médias populaires. J'ai inventé le terme cyborg volontaire pour faire une distinction des cyborgs médicaux qui, eux, ont des technologies comme des simulateurs cardiaques, des pompes à insuline, des DIU et des plus et plus implantés par des professionnels de la santé à des fins de rééducation ou de thérapie. J'insiste intentionnellement sur l'aspect volontaire de la pratique des implants pour éviter les inférences de théories de micropus forcées populaires auprès de groupes vocaux de critiques et de détracteurs plan. Les théories du complot sur les micropuces chez les humains existent depuis des années. Certaines de ces théories proviennent d'une interprétation d'un passage biblique. Le titre de Clickbait et les hashtags des médias sociaux ont fait le tour de plus en plus fréquemment au cours des derniers mois décrivant les craintes et les théories du complot concernant la micropuce micro micro involontaire. Euh, hein, implanté chez euh, la population. La dernière incarnation de ces prophéties apocalyptiques suggère que le milliardaire de la technologie Bill Gates utilisera des micropuces pour lutter contre la COVID-19. L'article a été inspiré par un fil Red, euh, Reddit « Ask me anything » avec Gates le 18 mars qui portait sur une seule phrase les certificats numériques. Les théoriciens du complot ont commencé à faire des prédictions sensationnelles sur les puces électroniques comme solution réalisable au problème de vérification de l'identification et d'authentification du statut vaccinal. La prolifération d'articles et de publications dans les médias en ligne, démystifiant l'affirmation selon laquelle Gates prévoit d'implanter subrepticement des dispositifs de suivi à micropuces dans des personnes dans le cadre d'un vaccin COVID-19, a renforcé les théories et les théoriciens, théoriciens du complot. Ces récentes théories du complot d'implants de puces forcées et involontaires m'ont amené à réfléchir aux raisons pour lesquelles certaines personnes craignent d'avoir des puces informatiques intégrées dans leur corps contre leur volonté. La réponse réside dans l'autonomie corporelle perçue. Des recherches menées en 2017 ont montré qu'un quart de la population américaine croyait aux théories du complot et ces croyances sont-elles motivées par des sentiments d'anxiété, d'aliénation et de privation du droit de vote? Le droit de gouverner son corps et ce qui lui est fait euh, par d'autres n'est pas un privilège détenu par tous. Cette réalisation peut surprendre ceux qui souhaitent modifier leur corps avec des implants technologiques pour plus de commodité, de plaisir ou d'expérimentation. Les membres des groupes historiquement marginalisés, les femmes, les personnes euh, racialisées, les personnes queer, les personnes handicapées et les enfants ne sont pas choqués par ce manque d'autonomie du corps. L'État, les organisations et les communautés médicales ont restreint, réglementé et ou gouverné et gouverner leur corps pendant des centaines d'années. L'un des objectifs de mon travail est de mettre en évidence la lutte pour euh, l'autonomie corporelle à travers l'expérience du cyborg le droit à la liberté morphologique de modifier son corps comme on le désire est un aspect de l'autonomie corporelle auquel les cyborgs font régulièrement face. si les cyborgs peuvent gagner le droit de modifier leur corps en redéfinissant les limites d'une modification corporelle acceptable alors ces droits peuvent s'étendre à d'autres groupes qui luttent pour l'intégrité corporelle et l'autonomie. La collaboration avec des universitaires et des défenseurs des études sur le handicap, des études queer et féministes, des universitaires en médecine et en droit, ainsi qu'avec des militants des droits de l'homme, est une approche à adopter. Les nouvelles récentes de stérilisation involontaire et forcée dans des camps de détention gérés par l'immigration euh, et les, euh, les fameux euh, agents de l'agence la, euh, ICE, hein, qui euh, expulse les immigrants illégaux aux États-Unis, sont horribles et illustrent juste l'un des abus d'autonomie corporelle qu'un gouvernement peut infliger à des personnes citoyens ou autres les puces implantées ne sont pas utiles pour la surveillance ou la surveillance secrète la technologie de micropuces actuellement disponible n'est pas capable de suivre les emplacements des personnes il n'y a pas de piles ou d'émetteurs gps à la fois puissants et suffisamment petits pour être intégrés en toute sécurité et discrètement dans notre corps à notre insu il n'est pas nécessaire que les gouvernements ou d'autres organisations obscures, populaires auprès des théoriciens du complot, intègrent des dispositifs de suivi à l'intérieur du corps humain, car nos smartphones remplissent déjà cette fonction. La plupart des utilisateurs de smartphones ont abandonné toute attente de confidentialité avec diverses applications et services de localisation depuis longtemps. Les gens disent qu'ils peuvent toujours laisser leur téléphone à la maison, mais le font-ils vraiment? Vous avez l'impression de manquer une partie de vous-même lorsque vous ne savez pas où se trouve votre téléphone. La sensation au creux de l'estomac, vous tapotez vos poches, réaffirmant votre perte par contact avec votre corps. Cela fait partie de la construction corporelle maintenant, le téléphone. Je ne crains pas que je sois implanté avec une puce à mon insu, mais je suis très inquiet que des personnes puissent un jour être implantées sans leur consentement. Je crains que les puces ne soit utilisé pour la suppression manifeste et contraire à l'éthique des mouvements par les gouvernements. C'est pourquoi le droit à l'autonomie corporelle doit être un droit international de l'homme, légalement déclaré et défendu par des tribunaux et les gouvernements du monde entier. Vraiment intéressant. Euh, ça nous vient de Stein. On est vraiment dans un monde qui a complètement changé. Je vous reviens.